qui frappe, c'est d'abord le diagnostic. Beaucoup de mes collègues ministres des Affaires étrangères ont dit que c'était la crise la plus grave depuis maintenant 20 ans. Et donc c'est un sentiment de très grande gravité qui se dégage. Nécessité de la fermeté. Et donc il a été décidé que les pays qui font partie du G8, c'est-à-dire la France, l'Allemagne, l'Italie, la Grande-Bretagne, arrêtaient la préparation du sommet de Sochi. Ça, c'est la première décision. Deuxièmement, que s'il n'y avait pas des mesures extrêmement rapides et concrètes de désescalade de la part des Russes, à ce moment-là, toute une série de contacts seraient coupés et des décisions précises. Suspension de la discussion sur les visas, suspension de la discussion sur les accords économiques. Et comme il va y avoir vraisemblablement un Conseil européen, on parle de jeudi, à ce moment-là, s'il n'y a pas eu désescalade d'ici là, ces décisions entreront en effet. Ça c'est l'aspect fermeté. En même temps, on souhaite, à condition que ce soit possible, bien sûr, qu'il y ait un dialogue qui soit engagé. Ça signifie qu'il faut que les Russes s'y prêtent. Du côté du gouvernement ukrainien, vous verrez notre délibération qui demande qu'il y ait la prise en compte des minorités, qui demande qu'il y ait une inclusivité. Mais l'état d'esprit général, et il y avait une volonté d'unité, donc ce serait une décision unanime qui est prise, ça c'est très important. L'état d'esprit général, c'est fermeté et, dans la mesure où c'est encore possible, volonté de dialogue. Mais donc, c'est un sentiment de très, très grande gravité et inquiétude. Il semblerait qu'il y avait hier un accord entre Mme Merkel et M. Poutine pour un dialogue dans le cadre de l'OSCE. Est-ce que ça tient ? Ça n'a pas été confirmé du côté de la partie russe. Les mesures concrètes de désescalade, M. le ministre ? Est-ce qu'un le retrait, par exemple, des troupes russes à leur position antérieure ? Bien sûr. C'est la première mesure concrète de désescalade. Hein. Et l'acceptation de discussions. Maintenant, ce n'est pas la tonalité qu'on entend. Et pendant que nous délibérions, nous avions des informations que vous avez aussi, qui sont très inquiétantes. Donc, fermeté et volonté de désescalade pour le moment où c'est encore possible. Voilà. Et le sommet de jeudi est confirmé ou pas ? Non, il n'en a pas été. Il y a, c'est un bruit qui prend de plus en plus de consistance. Du côté, mais c'est une décision, comme vous le savez, qui doit être prise par M. Van Rompuy, mais du côté français, il y a le souhait que ce sommet se tienne et, avec le chef d'État et de gouvernement et, si c'est jugé possible, aussi avec les ministres des Affaires étrangères. Est-ce que ça veut dire qu'on se donne deux jours ou qu'on donne voilà. comme un ultimatum aux Russes que... Vous avez deux jours pour retirer vos troupes, sinon... Non, il y a des mesures qui sont déjà prises, il y en a d'autres qui sont envisagées et il y a une volonté de désescalade très rapide. Et s'il y a un sommet européen, il pourra effectivement être ce butoir dans le temps. Merci beaucoup.